Ora procediamo con il dibattito e con gli interventi. E il primo ad intervenire è uno storico francese che ci onoriamo qui di ospitare, Gérard Streiff, che invito a prendere la parola. Merci beaucoup de l'invitation. Je voudrais dire un petit mot sur l'eurocommunisme vu de France, sur un plan historique, et puis également, j'étais un des acteurs, je travaillais au secteur international du Parti communiste français à l'époque. Je dirais d'abord que l'expression d'eurocommunisme en France est passée comme une comète dans le paysage politique de l'année 1977, comme une étoile filante, à peine venue, elle était déjà disparue. Cette expression en France apparaît en 1977. En fait, le communisme occidental après 68 est travaillé par des interrogations productives. En France, la direction du PCF entreprend une redéfinition de sa doctrine. Il y a des ouvrages, des gestes qui vont ponctuer cette réflexion. Le défi démocratique en 1973, la condamnation du stalinisme en 1975, le 22e congrès du PCF en 1976. La dimension européenne de ce travail est forte. Le PCF, qui a désormais sa place au Parlement européen depuis 1973, prend mieux en compte les réalités de la communauté européenne. Il cherche à développer la coopération entre les PC de l'Ouest européen et il y aura notamment une grande rencontre en janvier 1974 à Bruxelles de tous ces PC. Dans la foulée, accélération de la concertation avec le Parti communiste italien. La rencontre, elle a été citée tout à l'heure par un précédent intervenant, la rencontre de novembre 1975 de Marchais et Berlinguer donne lieu à un communiqué qui fait état d'analyse commune et d'un calendrier d'initiatives de masse qui vont connaître un grand succès. Il y aura des meetings absolument formidables en France, en Italie, un très grand meeting à la Villette, notamment avec Berlinguer et Marchais. Cette même réflexion, donc, on l'a dit aussi, se verra avec d'autres PC et d'autres rencontres de notre parti, les Espagnols, les Anglais, les Belges, les Japonais, les Mexicains. Moscou n'apprécie pas. Moscou s'agace de cette régionalisation. Moscou va essayer d'intervenir dans la conférence de Bruxelles. Puis elle va lancer cette conférence de Berlin de 1976 qui est un peu une tentative de pirater de son point de vue. Reste que trois ingrédients de ce qu'on va nommer plus tard l'eurocommunisme sont en place. Un travail de redéfinition du communisme, une convergence nouvelle au niveau ouest européen, une volonté de différenciation avec l'Est. En France, le mot apparaît donc au début de 1977 et il va se matérialiser de manière très spectaculaire à Madrid en mars 1977 où les trois partis, le français, l'italien, l'espagnol, vont se réunir. Cette initiative va engendrer en France une explosion d'articles, une explosion de commentaires, d'analyses globalement favorables à la naissance de l'eurocommunisme. Le journal Le Monde va dire que c'est évident, l'image du communisme en France est en train de changer. Un grand historien comme Jean-Jacques Becker va dire « On a l'impression que Georges Marchais veut être le Tito à la française ». La notion va aussi avoir un grand impact dans l'opinion publique
Par exemple, comme historien, j'ai retrouvé dans les archives de Marchais un sondage qu'il gardait très précieusement d'avril 1977, un sondage de la Sofres. Et ce sondage montrait que la majorité des Français voyaient une grande différence entre le socialisme du PCF et celui des pays de l'Est. Dans la même proportion, les sondés considéraient que ce socialisme du PCF était plus proche de celui de Mitterrand que de Moscou. Bon, pour l'heure, les Français n'étaient pas encore complètement convaincus de l'indépendance du PCF par rapport à Moscou. C'était 33% indépendant, 33% pas indépendant et 33% pas d'opinion. Selon Alain Duhamel, qui fut un commentateur historique de la politique française, je cite, « Les Français distinguent de plus en plus l'eurocommunisme du socialisme tel qu'il existe dans les pays de l'Est. Cela retentit naturellement sur l'image du PCF et bien sûr positivement. » Donc, gros écho public, couverture de presse considérable. Plusieurs livres sont publiés dès le printemps 1977. La droite commence à s'énerver. Chirac dit que c'est à Moscou qu'est né en fait l'eurocommunisme, que c'est une plaisanterie. Mitterrand dira qu'il n'est pas très sensible à la définition eurocommuniste, etc. Le concept est populaire, mais le concept en France est très fragile. Moscou est radicalement opposé et va le manifester de différentes manières. La social-démocratie, elle, s'interroge. Et dans le Parti communiste français, il n'y a pas unanimité, il y a même des divisions. Beaucoup d'entre nous demeurent méfiants et trouvent que ça va trop vite, qu'on leur force un peu la main. Et là, il va y avoir une certaine différenciation dans la direction entre d'un côté Canapa et Georges Marchais. Canapa était le responsable du secteur international, qui pense que l'eurocommunisme peut être la nomination de cette nouvelle tendance, mais en même temps avec beaucoup de prudence, on va dire ce que l'on nomme eurocommunisme ou ce que certains appellent l'eurocommunisme, vous voyez. L'humanité ne parlera jamais de ce phénomène, de ce nom. Le nom d'eurocommunisme ne figure pas dans la presse humanité. Par contre, il y aura deux articles, un en février 1977, un autre en avril, qui vont expliquer, dans la revue France Nouvelle, qui vont expliquer que l'eurocommunisme, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais il peut y avoir une définition, c'est-à-dire que indépendance des partis, solidarité, nouvelle forme de coopération à l'Ouest, etc. Donc vous voyez à la fois une très grande prudence, qui est un peu contradictoire avec l'énorme succès populaire. Là, nous sommes à l'été 77 et puis les choses vont s'arrêter. L'été 77 marque en France une coupure, la dynamique s'essouffle, les relations entre le PCF et Moscou vont se tendre, vont s'aggraver. Les relations entre nos trois partis, notamment espagnol, italien, vont être compliquées parce que la situation intérieure va être très dure. En tous les cas, pour les Français, nous entrons dans une compétition avec Mitterrand qui devient très très difficile avec la perspective des élections de 1978. Bref, le cadre national revient en force et occupe tout le terrain. Donc voilà, ce fut, je le répète, un projet qui fut populaire, qui ne fut pas repris en compte par le parti. Je ne sais pas si... Enfin, je trouve que la relance du débat par vous, notamment sur l'eurocommunisme aujourd'hui,
est une bonne chose et la recherche d'une nouvelle gauche que l'on sent un peu partout en Europe, ça ressemble comme des cousins à ce travail sur l'eurocommunisme de 1977. Merci.